Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors, j'ai trouvé des bricolages Action, mais j'ai surtout, surtout, surtout trouvé beaucoup de choses chez Nose. Donc, je vais vous les présenter. Donc, chez Action, j'ai pris la suite des couleurs pour broder. Donc, j'ai pris du bleu, des blancs jusqu'au noir. J'en ai pris 2 paquets de blancs jusqu'au noir parce que c'est ce qu'on utilise le plus. Surtout le noir, ça part pas mal. Et du coup, le bleu, je le trouve super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour faire les broderies, ce sera sympa. Donc, je vous montrerai ça. Ensuite, j'ai pris ces spatules pour la pâte à texture. Des spatules en métal, j'en avais pas. J'avais qu'en plastique et à nettoyer, c'était une vraie galère. Du coup, ils en ont fait chez Action en métal. Donc, ça, je suis super contente. Du coup, voilà, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq spatules de tailles différentes. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé des nouveaux blocs chez Action. J'ai trouvé ces blocs-là. Donc, c'est des pages A4 en 250 grammes, 21-29-7. Donc, vous avez en bleu, bleu gris en fait, blanc. En plus, vous voyez, c'est bien épais, hein, 250 grammes. C'est plutôt pas mal pour faire des cartes. Beige, gris. Donc, je crois qu'il y a une, deux, trois. C'est 3 feuilles de chaque. 4 feuilles de chaque. Là, c'est un blanc, mais un peu granuleux. Donc, c'est plutôt joli. J'aime bien. Et le noir. Donc, ça, comme j'en ai pris 1, 2, 3 blocs. 3 blocs pour faire des fonds de cartes. C'est plutôt sympa. Vous voyez, black, graphin, craft, jeans. Ah, c'est jeans, gray et white. Donc, voilà. Donc, j'ai pris 3 blocs de ça. Pour faire mes cartes, c'est plutôt bien. En plus, je vais vous faire les tutos de cartes avec les dies actions là. Donc voilà. Donc entre deux révisions, ça fait du bien aussi de penser à autre chose que de réviser. Donc ensuite, j'ai pris pour Jade. Jade a trouvé ça plutôt sympa chez Chenoz. Le kit de pâte. Alors je sais pas si c'est de la pâte Fimo ou quoi, ou de la pâte à modeler. Parce que c'est tout en anglais, donc je sais pas, vous voulez ça pour faire des petites glaces, des petits cupcakes, donuts et tout. Et c'était à 2,99. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite, ce que j'ai trouvé, voilà, c'est pris une poche à douille pour mettre dans sa mallette de cuisine. Et ça, on l'a payé 1,99€. C'est pour elle, hein, c'est pour elle sa cuisine. Donc je trouve que je lui en donne d'ailleurs. Ça et ça, c'est pour elle. Donc j'y mets de côté. Ensuite, j'ai trouvé, je me suis pris, parce que comme je passe le concours dans la semaine, je me suis pris une gourde pour pouvoir avoir de la boisson avec moi. Elle est plutôt sympa. 3,99€. Je peux mettre aussi bien de la boisson froide que de la boisson chaude. Donc ça sera très bien. Voilà. Hop. Dans la poubelle, je mets ça là. Ensuite, j'ai trouvé beaucoup de choses pour le scrap. Donc beaucoup de, c'est de la marque Creative Expression. Donc j'ai trouvé des classeurs embossés, des dies, j'aime bien ce style de bracelet. Je m'en suis retrouvé un comme ça. Donc celui-là, il est à 75 centimes. Je vais l'ouvrir. Voilà. J'espère qu'il ne va pas être trop grand. Parce que moi, j'ai des petits poignets. Et l'avantage, c'est quand il y a trois. Nickel. Bon, comme ça, vous voyez, vous allez voir. Je l'ai mis. Je vais pas le mettre au premier parce que ça va trop me serrer. Voilà, nickel. Avec celui-ci, ça rend plutôt sympa. Alors, ensuite. Il y a des matrices, il y a des tampons, des classeurs, embouteillés, matrices, 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 la
service. Non, mais j'ai traité mon frein, cherchez-moi. J'ai traité le frein. On va commencer par les classeurs embossés. Donc j'ai pris celui-ci à 1,99 avec des zigouigouis là. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a le prix. Donc ça c'est chez nos amontataires. Celui-ci. Pareil, 1,99. J'ai pris ce grand là. Alors moi j'ai la... J'ai mis une A4 et puis une autre A4 à manuel. Donc c'est très bien en A4, c'est cool. Je le trouve trop beau. Donc c'est de la marque Creative Expression. Donc les grands, ils étaient à 2,99. Celui-ci. J'aime bien le style. Pareil, même prix, 2,99. Et celui-ci. J'ai pas été au Nose à Chambly, je vous avouerai. J'ai pas eu le temps. Et puis, ben, vu comment j'ai craqué mon string à mandataire, on va éviter. Hein. Donc là, j'ai trouvé celui-là. Donc il y a 6 pièces. Voilà ce que ça donne. Je les trouve trop beaux. Surtout, ça, c'est des Spellpinder. Donc 6 pièces. Ils étaient à 7,50. Donc cher. Mais quand on sait la qualité que c'est. J'ai pas hésité quoi. Ils sont super beaux. Regardez. Voilà. Celui-là, il est à 3,50. Alors ça, c'est un Creative Expression. Du coup, c'est un de fond. Il est trop beau. Je dis toujours que je vais plus acheter Dice et en fait, au final, je craque toujours. Pareil, celui-là, c'est un Spell Spinder. Donc 5,99. Et il y a 6 pièces. Regardez. Cette beauté. Alors ouais, certes, c'est quasiment c'est le même style, mais c'est pas encore le même. Regardez cette beauté, 6 pièces. Voilà. Celui-ci, 7,50. Et regardez, il y a 4 pièces. C'est ça. Et en fait, les découpes, ça va donner ça. Pareil en Spellpinder. Voilà. Ensuite, vous avez celui-ci à 5,99. Pareil, il y a 7 pièces. C'est trop beau. Hein. Puis ça, ça bougera pas dans le temps, en fait, parce que c'est vraiment des dés de qualité. Ceux-là, 1,99, les Creative Expression. Donc, ça fait une... Ça, avec des fleurs. Et au niveau de la coupe, logiquement, ça doit donner ça. On doit pouvoir plier en deux. Faudra que je teste. Je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, il y a celui-là à 3,50 €. Au niveau de l'arrière, ça donne ça. Et de la coupe, ça va donner ça. Je trouve ça plutôt sympa. Il y a deux dice. Donc, vous avez le rectangle seul. Et le fond. Voilà. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Là, c'est pareil. C'est deux aussi. Vous avez le fond et le rectangle du tour. En Creative Expression, pareil, à 3,50. Alors, celui-là, il y a 3,50. Celui-là, il est à 3,50. Ça dépend des dies, en fait. Ils n'ont pas du tout les mêmes prix. Celui-là, 2,99. Jade, elle a adoré. Donc là, il y a... 7 pièces. $2,99. Celui-ci, $3,99. Il y a 2 pièces, le fond et le rectangle en tour. Sympa, hein? J'adore. Franchement. Ensuite, en matrice de coupe, là, c'est plutôt sympa. Il y a 11 pièces. C'est des fleurs japonaises, là. Spinder, regardez. Là, vous avez les branchages, les fleurs de cerisier. Voilà, c'est ça que je cherchais. Sympa. À couper et à monter, ça va être plutôt joli. Ensuite, est-ce qu'il me reste une matrice? Oui, il me reste celle-ci.
Donc pareil, deux pièces, le fond et le tour. Voilà. 2,99. Et les fleurs de cerisier, elles étaient à 4,99. Voilà. Et en tampon, j'ai trouvé celui-ci à 3,50 €. Alors du coup, dessus, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça, pour mettre derrière les ATC, ça peut être bien. Et puis les gros sentiments comme ça peut être pas mal aussi. Best friend, just for you, I'm in love, a little piece of love, art. Franchement, trop joli. Ensuite, j'ai trouvé ceux-là à 1,50. C'est deux tampons en caoutchouc. Alors, ceux-là, c'est des clairs. Mais ceux-là sont en caoutchouc. Il y en a deux. Ça peut être joli aussi pour faire des étiquettes. Alors, normalement, c'est censé avoir des dies avec, mais ils n'y sont pas. Alors, c'est pas très grave. Hein. Je découpe autour. C'est pas très grave en soi, en fait. C'est trop très joli. 1,50 €. Ensuite, celui-ci, 1,50 €. Pareil avec des fleurs là, c'est bien détaillé, il faudra que je les tamponne pour vous montrer ce que ça donne. C'est de la mousse. Bon, est-ce qu'on peut enlever ça? Je sais pas du tout. Non. Alors il va falloir que je trouve une solution pour. Là, attendez. Voilà. Là, c'est pour, c'est censé être autocollant, mais ça colle pas, donc il faudra que je trouve une solution pour mettre. Mais je sais ce que je vais mettre. C'est pas très grave, je mettrai du double face, un truc du genre. Vous en faites pas. Ça va faire. Voilà. Et en dernier, à 3,99 €, j'ai trouvé cela que je trouve super beau. Surtout ça, l'arbre là, il est super sympa et les potes fleurs sont super sympas. Donc ça, c'est de Earthselt Création. Pareil, il va falloir que je trouve une solution parce que je suis pas sûr que ça tienne sur les. Attendez, voilà, tout de suite. Ah bah si, ça tient. Ça tient sur les plexis. Donc, nickel. Parfait. Il est trop joli. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est mon petit haul nose. Franchement, je suis trop contente. Toi, tu... En fait, on s'est juste arrêté pour se promener. Et voilà, sur quoi je suis tombée. Un pack plat. Donc, ben, j'étais contente. Donc, il n'y a plus qu'à ranger tout ça, encore. J'ai hâte d'avoir ma pièce. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être, mais à un moment donné, je vais l'avoir. Donc, je suis super contente aussi. C'est pas pour tout de suite, mais ça va venir. Donc, voilà. Donc, il me reste à vous faire une vidéo avec la carte, avec, enfin, pour, avec une carte pour les dice actions. Et puis, ben, écoutez, ma foi, j'espère que ce petit haul nose vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.